Salut, salut! Donc, me voici pour l'épisode 2 sur mon monde, dans mon village. Donc, suite à l'épisode de l'autre jour, j'ai trouvé mon village, je l'ai clôturé, je l'ai éclairé, et maintenant, on va passer à la mise en état. Comment dire? La mise en état, la mise en beauté de la ville! Donc, on va commencer déjà par se créer les outils qu'il faut. Donc, j'avais tout laissé dans la forge. La forge! Hop là. Donc, il me faut un truc comme ça. Deux sticks. Hop là. Mon bad. Je peux le mettre là, voilà. Sleep all night. At night. Ah, at night. Oula. On va commencer par le début. Allez. Magnifique. Magnifique! Oups, désolé. Conte villageois. Là là. Enfin bref, donc. Super le cheval. Alors, j'ai pas trop réfléchi encore à ce que j'allais faire exactement dans cette ville. J'avais dit que je voulais la mettre en beauté, c'est-à-dire la rendre viable sur plusieurs parties. Donc, merde, je vais y arriver. Hop là, la rendre intéressante visuellement. Ah, parfait ça. La source de nourriture. Plutôt intéressante, surtout une fois cuite. Les pommes de terre, c'est cool, c'est la vie. Alors, qu'est-ce que fout des eaux ici? Ok. C'est toujours compliqué sur des générations comme ça qui ont été faites moitié sur des collines et pas dans des plaines. Parce qu'on se retrouve avec des bâtiments très 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 mal générés. Et là, à vrai dire, c'est vrai que je suis un peu perplexe sur comment agencer correctement la ville. Je vais me prendre un point central, je pense, tout simplement. Hop là. Voilà. Normal, ça, je dégage. Bon, ce que je vais faire, c'est que c'est pas très utile que je vous garde tout ce temps. Hop là. Donc, je vais couper un tout petit peu la vidéo. Là, par exemple. Vous êtes bien d'accord? Ouais, j'ai dit que je coupais la vidéo, mais c'est comme je dis souvent des choses, hein. Après, faut que je les fasse. Ouais, et bien que là, ça servait à rien, ce truc. Hop là. Ouais, y a une terrasse. Je la ferais bien. Une petite terrasse en bois. Et je vais tout creuser. Tout creuser. Oui, je sais, j'arrête pas de dire que je vais vous laisser, mais vous êtes toujours avec moi. Oui, un âne. Qui? Hi-ho! Qui hennit! C'est vrai, c'est le terme. Il hennit. Ah, je crois, hein, que je me trompe pas. Ma chérie me fait un signe de oui du coin de la tête, je le vois. Enfin, du coin du. Oula! Du coin de mon regard, je la vois faire un geste de sa tête. Ouh là là, attention!
Oh, les générations bidons. Ça fait un peu peur des fois. Ça fait un peu peur. Allez, les villageois, vous êtes chiants. J'ai envie de les enfermer des fois. Voilà, je ferai des escaliers propres là. Non, je ferai des escaliers propres un cran avant. Hop là, une sorte de petite allée pour monter. Je vais raser toute cette partie. Hop là. Bug de texture magnifique. Hop là, je me refais une autre pelle. Hop là. Alors on va continuer. C'est cool les fenêtres enfermées sous le bois. Enfin, posées sous le bois. Oh là là, sous la terre. Il est tard en fait. Vous le savez pas, mais pour moi, il est plus d'une heure du mat. Et j'ai eu une dure journée de travail. C'est pour ça que j'ai un peu du mal aussi. Désolé. Hop là. Putain, mon truc qui sert à rien. Oh là, les gros mots. Non, en fait, c'est mieux de faire ça comme ça. Hop là. Ouais, sympa comme ça, avec les escaliers ici. Ok. Hop là. Je suis perplexe là, par contre. Non, ça je vais dégager. Ça ne va pas! Et zut. Allez, casse-toi vite, me pioche en pierre, comme ça. Ils sont bizarres, les villageois. Faites gaffe que je vous mette pas des coups de hache par inadvertance fortuite. Et voilà. Bon, je sais pas trop ce que vous en avez pensé de mon unboxing Xbox, mais à la fin de la semaine, je vais essayer de poster cette vidéo là, dimanche ou lundi, peut-être mardi, mais du coup, semaine prochaine, vous aurez le droit à un unboxing de PS4, parce que bien sûr, je l'achète aussi. C'est ce que je me doutais. Hop là. J'ai pas eu beaucoup de commentaires pour l'instant sur ma vidéo. Bon, ça fait que 24 heures qu'elle a été postée. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai eu pas mal de vues. Alors, je me doute que ça doit pas, pour beaucoup, pas être des gens de. Comment ça s'appelle? Des abonnés habituels, même si bien sûr les abonnés habituels, je pense qu'ils le regardent quand même, mais. D'habitude, j'ai pas autant de vues sur mes vidéos. Donc je me doute que ça doit pas être que vous. En tout cas, ça fait plaisir. 80 abonnés aujourd'hui. Donc pour moi, il est samedi. Bah, c'est marrant, c'est sympa. Moi, j'aime bien en tout cas. Ça montre que ce que je fais, ça plaît un petit peu. Hop là. Oh, j'ai faim et j'ai sommeil. Donc, on va dormir. Vite, 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 avant que les monstres pop dans la ville. Hop là. Et on va manger. Histoire de pouvoir recourir. Hop là.
Ah ben. Enfin, je vais pouvoir utiliser ma vraie pioche. La pioche des héros. Ah ben. Super le villageois qui s'était. Hop là. Je sais pas. Attends, je vais le sauver. Allez. Allez, le villageois, casse-toi. Hop là. Alors, je vais creuser jusqu'à où? J'en enlevais encore une ou deux couches. Je vais enlever tout ça, oui. Hop là. Ah. Je vais enlever cette couche. Et je vais peut-être modifier l'entrée pour mettre une sorte d'escalier de côté. On verra par la suite. Ah, mais du coup, je vais avoir un problème pour cette porte. Je verrai plus tard. Je trouve ça visuellement plus agréable. Ils sont cons, quoi. Hop là. Vive les villageois, quoi. Je me garde juste la source, hein. C'est pour ça que je l'ai pas complètement dégagée, c'est parce que je n'ai pas d'eau à proximité, donc il me faut une source infinie. C'est pour ça, j'ai mis juste une source avec un de profondeur. Histoire d'être tranquille. Hop là. C'est peut-être chiant en fait, hein, que je garde là, alors que je fais que ça. Mais c'est vrai que vous pouvez pas me répondre. Ah, si, en commentaire. Qui c'est qui répondra? Pour dire si je suis chiant ou pas. Hop là. Merde. Je fais le boulet. Oh là, je commence à faire du plagiat. Merde. Hop là. Bon, écoutez, c'est décidé, je vais vous laisser un petit peu le temps d'aplanir un peu de partout, de faire un peu tout le village. Je vous reprends dans un petit moment. À toute! Et me revoici donc. J'ai fait un petit, comment dire, déblayage. Là, je vais pousser du bois parce que je vais avoir besoin de bois, donc la flemme d'aller en chercher. Je le fais pousser. Hop là. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je lui assure sûrement des escaliers qui vont s'y rajouter. Donc là, une entrée d'une première maison. On va avoir une sorte d'escalier pour rentrer dans cette maison avec une sorte de petite barricade, un petit truc sympathique. Je vais faire une sorte de village un peu comme. Comment dire? Je vais pas dire Moyen-Âge, parce que c'est pas vraiment Moyen-Âge. Pas. Je sais pas trop quelle époque. Mais je vais faire plutôt un petit village qui se construisait. Enfin, ça me fait penser un peu au village qui se construisait près de où j'habite. Donc près de collines, donc sur plusieurs étages. Donc je vais essayer de voir à faire à faire le village de certaines façons à ce que
comment expliquer? En pierre pour bloquer style la terre, en général on appelle ça des restanques. Donc par exemple quand les villages sont sur plusieurs étages, un peu comme là, quand il n'y a pas des escaliers entre deux étages, il y a des sortes de restanques. Donc là par exemple, dans mon idée, il faut que j'aille chercher. Faut que j'aille chercher de la pierre. Par exemple. Hop là. Voilà. Il faut fasse des escaliers. Parfait. Alors, ce que j'appelle des restants, qu'en fait, dans mon idée, peut-être pas la meilleure, bien sûr, je peux dire le contraire. Du style, voilà. Hop là. On a de la pierre qui maintient la terre, donc. Hop là. Et entre. On a donc des escaliers, en fait, qui permettent de monter les étages. Hop là. Donc en pierre, en cobblestone, donc en pierre non cuite comme ça, ou tout simplement parce que voilà, après on a la terre donc tous les deux étages. Hop là. Ou même trois d'ailleurs. Ou même plus. Ouais, merde, je me suis trompé d'outil. On va le faire là, le prochain. Hop là. Je verrai ça plus tard pour m'occuper de ça une fois que j'aurai tout fait. Hop là, et donc. Encore une. Tiens, ouais, encore une. Parce que je vais retirer le champ de l'intérieur du village. Et donc en fait, près de où j'habite, on a ce qu'on appelle donc des restanques. Hop là. Je vais montrer ce que ça donne une fois terminé. Voilà, je vais coucher histoire de ne pas me retrouver avec des monstres parce que j'ai mal éclairé vu que j'ai tout cassé. Hop là, allez. Et donc, alors ça fait très moche parce que derrière faut que je dégage ça, hein. Après je m'amuse à étendre les restants et tout ça, mais donc en fait. Nous avons une marche comme ça, et en fait, la terre là, pour éviter qu'elle coule par temps de pluie, elle est maintenue par des pierres comme ça. Et on a des restants comme ça qui sont plus ou moins larges, comme ça, sur plusieurs étages, pour niveler le terrain. Ce qui est plutôt sympa là, du coup, qui donne plutôt sympa, enfin, ça donne un effet plutôt sympathique. Par contre, je me demande si je mettrais pas des escaliers sur tout le long. Bref, et donc du coup, les plantations, on peut les mettre par là, tout simplement, sur ce que j'appelle donc les restanques. Qu'est-ce que ça donne ici? Est-ce que ça donne un effet sympa? Parce que là, du coup, ça va donner un 2 d'écart. Par contre, je vais casser ça, parce que. Ici, ça va être fermé. Et je vais ouvrir ici. Ouais. Donc, si je suis mon raisonnement, je vais faire un comme ça. Par contre, je n'ai plus. Je vais me faire beaucoup plus d'escaliers, comme ça je tomberai pas en galère. Voilà, j'en ai beaucoup plus. Allez. Go 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 go! Wahoo!
Hop là. Alors je vais les modifier, faut que je teste comment ça rend mieux. Ouais, du coup à cause de la terre là, ça rend pas de super. C'est pas bien. Hop là. J'ouvre ici. Hop là. Du coup, je trouve l'entrée plus sympathique. Hop là. Hop là. Alors, normalement, les restants sont plus larges, plus on descend sur le bas, plus elles sont larges. Parce que comme c'est des cailloux posés les uns par-dessus les autres, fatalement, on ne peut pas avoir qu'est-ce que ça donne de plus sympa? Pour donner un effet, cailloux qui maintiennent la terre. Est-ce que l'escalier je décalerai pas encore d'un cran? On va tester autre chose encore. Ça. Le fait qu'il n'y ait pas de démarcation, c'est pas très joli non plus. Je teste, hein, c'est la première fois. Merde. C'est la première fois que je fais ce système-là. Du coup, c'est vrai que l'escalier ne se voit pas vraiment bien, bien, bien. Hop là. L'escalier, ça ne se voit pas. Qu'est-ce que je pourrais choisir comme autre matériel pour faire des escaliers? Là, c'est vrai que je suis un peu bloqué. Je suis un peu bloqué. Un, deux, trois. Ah ouais, je vais avoir encore le même problème. Je vais avoir encore le même problème. Donc je mets un escalier comme ça avant. Des blocs là pour maintenir la terre. Là pour monter. Derrière je remplis des terres. Je creuse un cran là. Et je fais l'autre. Ouais, mais là par contre ça me gêne. Et j'ai pas ce qu'il faut sur moi. Voilà. Je truc. Le truc. Voilà. Toujours moyen de passer comme ça. Hop là. Hop là. Voilà. Et je repose ça là-haut. Hop là. Donc, maintenant, si on suit mon une explication et qu'on dit comme quoi la terre peut partir et qu'il faut qu'on recouvre tout. Fatalement, on peut pas laisser en bordure de terre. C'est vrai que du coup, ça va faire beaucoup, beaucoup de pierres. Hop là. Voilà. Alors là, j'aime bien.
J'aime bien l'effet que ça donne ici. Mais j'aime pas l'effet que ça donne comme ça. Je suis plutôt perplexe. Donc je comptais habiller plus ou moins les bâtiments de cette manière-là. Hop là. Alors ça, tout ça va dégager. Par là. Par là, par là. Je comptais faire un truc de ce style-là. Histoire de faire joli. Ça fait une petite montée plutôt sympathique. Que nous allons. Respecter comment de cette façon ici. Hop là. Oui, voilà. J'aime plutôt. Hop là. Bien sûr. Hop là. C'est cool. Mon but est de faire une rambarde, donc j'ai peut-être pas besoin que ça soit aussi large par contre. Je verrai peut-être à raccourcir. Je verrai peut-être à raccourcir. Ici, ça va pas être difficile étant donné que je vais faire tout simplement une sorte d'étage. Au truc de dessus. On ne sait pas ce qu'on va faire, allons tous à la forge. Hop là. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et merde. Oui, c'est l'attraction, c'est ça? On court, on monte, on saute. Tout à fait. Alors, j'ai encore de ça là pour faire un petit peu de déco. Ouais, je vais avoir beaucoup de choses à faire, hein. Je pense que vous t'en doutez. Merde. C'est vrai. Hop là. Plutôt intéressant comme ça, j'aime bien. Hop là, on finit. Il me manque un bloc de bois. Allez, go dormir au lit. Hey, je suis en train de voir que ça fait déjà 2 nuits que je dors, donc ça veut dire que ça fait quasiment 10 minutes que je vous ai repris. Un peu là. Alors, je vais couper un petit peu et je reprendrai juste après pour la fin de l'épisode. Allez, à toute. Et donc voilà, hein, j'ai commencé à nettoyer pas mal. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. Tout simplement parce que bah, il est très tard pour moi. Il est approximativement 2h30. Je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. J'ai un petit peu modifié mes restanques. Alors, j'aime bien, mais je pense qu'on peut mieux faire. Je pense que de loin. Ça doit se voir ce que je voulais essayer d'y faire. Est-ce que je vais arriver à monter là-haut? Parfait. Voilà. J'aime bien de loin, mais c'est vrai que de proche, on comprend pas vraiment ce que j'ai voulu faire. Un peu de biais là, comme ça. Mais une fois que la restance prendra par exemple
toute la colline comme ça. Ça pourrait être sympa. Faudrait que j'élargisse ma zone de clôture avec l'éclairage. Mais c'est vrai que si je m'amuse à prendre toute la colline comme ça en restant jusqu'à l'autre bout, hop là pour revenir derrière, ça peut être très sympa. Je pense que la semaine prochaine, non, parce que je sais pas, une fois toutes les semaines, mais je pense que la prochaine fois, je m'occuperai de cette maison pour y mettre tous mes coffres et tout et tout. Je vais aussi m'amuser à mettre un système de tri, qui est plutôt simple. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un gros coffre. Je vais m'amuser à y faire un petit système de tri pour les équipements basiques. Il va falloir que j'aille chercher des ressources. Donc il va falloir que je me trouve une mine aussi dans le coin. Avec des hoppers et tout ça. Oh, désolé. Je baille. Et comme je suis un bon bailleur, c'est possible que les gens qui regardent cette vidéo baillent aussi. Faites-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez bailli ou pas. En tout cas, ça a bien avancé. J'aime bien la forme qu'a pris plus ou moins la ville. Elle n'est pas du tout, plus du tout éclairée, mais comme elle n'est pas finie, il faut que je ratisse encore toute cette grosse zone, que je fasse les différents escaliers. Je pense que là, par exemple, il peut y avoir un truc de sympa à faire, qui est plus ou moins ça. Hop là. Non, ça va trop loin. C'est pas très joli. Tester un peu plus loin. Hop là. Pose la question de savoir est-ce que ça va être sympa, ce à quoi je pense. Et ramasse le charbon avant que le charbon te ramasse. Non, c'était pourri ça. Encore une fois. Je suis pas tombé sur un seul morceau de fer pour l'instant. Par contre, le charbon là, le gisement était plutôt très intéressant. Hop là. Alors, je ne veux pas qu'il y ait des monstres qui popent de partout, surtout à cause du bruit. Donc, je rebouche. Long et fastidieux, faut que je dégage juste un petit peu. Histoire de m'imaginer un peu ce que ça donne. Je n'ai plus de fer donc. Plus de pelle en fer, plus de pioche en fer, plus rien, c'est la dèche. Il faut vraiment que je cherche du fer. Et donc, ce à quoi je pensais, c'était un truc. Voilà. Comme ça, on ferme là. Et dégage le viageois. Allez. Et je n'ai plus d'escalier. C'est là-bas. Et quoique. Je crois que c'est plutôt sympathique en fait ce que je suis en train de faire. Je crois que c'est plutôt sympathique. Sympathiquement sympathique. Hop là. Pas besoin de ça.
fait, c'est sympa plutôt alors comme ça. Je suis peut-être un peu loin. Peut-être un peu loin, ouais, c'est mieux. Allez, pousse-toi, les villageois. Je suis en train de me dire qu'en fait, c'était peut-être un peu faire tout ça pour rien parce que. Putain de villageois. Hop là. Allez. Il faut exprès. Non. Oh non, en fait c'est sympa comme ça aussi. Ouais. Bon, je pense que ça serait comme ça. Ouais, ça fait plus sympa. Ça fait plus sympa. Donc, je pense prochain épisode, m'approprier cette maison, cette baraque. Je vais faire sur 3 étages avec un système de tri automatique pour les blocs les plus, comment dire, les plus utilisés. Maintenant avec les systèmes. Eh putain. Oh, je suis grossier. Ouh là là, c'est pas bien. Avec le système de. Qu'ils ont mis là dans les dernières versions de Minecraft, il y a vraiment de quoi faire des trucs super, hyper intéressants. Donc, je vais essayer d'en utiliser quelques-uns pour mes vidéos. Je pense qu'il y a du potentiel à faire des trucs vraiment super sympas. Comme Chérie me dit, elle se demande pourquoi je prends mon accent marseillais. Peut-être que je suis pas loin. Enfin bref. Hop là. Faudrait que je retorche la ville. En tout cas, moi je vous dis au revoir. À la prochaine. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez envie. Une bonne nuit. Une bonne journée. Bon appétit, bon bonne soirée, bon, enfin voilà, tout. Commentez, likez, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, donc ça me fait plaisir, moi en tout cas un petit commentaire, c'est rare ces derniers temps. Même si je sais qu'avec Google Plus c'est la merde, j'ai pas compris comment ça fonctionnait, en même temps j'ai pas cherché à comprendre, mais ça m'a l'air d'être une grosse merde. Oui, comme ils ont un peu rien à foutre de ce qu'on a envie, ben voilà, ils font ce qu'ils veulent. Leur Facebook sauce Google. Pour l'instant, j'accroche pas, j'adhère pas. Mais bon, peut-être que je changerai d'avis plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, j'adhère pas. Donc, commentez, likez, faites-vous plaisir. Un petit abonnement, un petit j'aime, un petit tout ce que vous avez envie. Moi aussi, j'en aurai envie. Enfin bref, voilà. Allez. Ciao, à la prochaine.